avait plutôt bien marché là. Et ici, qu'est-ce que c'est? Faible valeur du terrain. Ah, c'est possible aussi. La guerre routière. 53 passagers, 40 passagers. Oui, parce que ça va, c'est correct. Nous ne sommes pas encore une ville très touristique, mais ça va venir. Avec la construction de ce centre d'exposition. Investissez dans un centre d'exposition pour transformer votre petite ville en attraction touristique. Programmez des événements populaires tels que des matchs de foot, des concerts de rock, puis préparez votre ville à recevoir des hordes de fans en délire. J'adore ça. On peut construire aussi des monuments. Là, vous avez l'Arc de Triomphe, l'arcade du quinquennaire. C'est où ça? Ah, c'est à Bruxelles. À Bruxelles. Des moulins hollandais, c'est très joli ça. Et des Sucocampan. Au Brésil. Qu'est-ce qu'on a sinon? L'Empire State Building. Giralda, ça c'est à Séville ça. Le théâtre du Globe, bien, c'est où ça? À Londres. Ah ouais. Oh, sympa. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. C'est pas rapport avec Shakespeare? Non, je sais plus. Enfin, ça me dit quelque chose en tout cas. Cologne. La tour de Pise. Putain, un peu rond. La tour penchée de Pise. Tiens, ça va être marrant à construire ça. L'opéra d'Oslo. Je préférerais l'opéra de Sydney. La tour ronde de Copenhague. La statue de la liberté. La cathédrale Saint-Basile de Moscou. Très belle, quelle belle cathédrale. L'hôtel de ville de Stockholm. Ah, l'opéra de Sydney. La tour de Tokyo, oui. Bah, personnellement, je trouve que c'est une réplique de la tour Eiffel, mais bon. Pff, oh, le nom est... Zamekrolski-Vorzice. J'ai pas fait polonais en deuxième langue, je suis désolé. J'ai fait allemand, et je n'ai strictement aucun souvenir. En tout cas, c'est un très joli bâtiment. Très sympa. Le Washington Monument et la Willis Tower. Ce bâtiment de 108 étages est le plus haut des États-Unis. Et c'est pas le plus haut du monde. Et comme vous pouvez le voir, il y a plus de 500 touristes par jour. Ah, comme quoi, nous sommes une ville touristique. Ça me semblait bien. On va regarder un peu la valeur du terrain. Là, ici, c'est normal que c'est rouge, c'est l'industrie. Là, ça marche plutôt bien. Donc ici c'est plutôt pas mal. Tiens, on va rajouter peut-être un parc par ici pour ajouter de la valeur du terrain au commerce. Un petit parc. Voilà. Hop. On va continuer notre avenue. Non. Je la veux toute droite, mon avenue. Tac. Et puis le centre d'exposition, vous savez quoi? Bon, on va le construire ici. Ou là. Ah, j'hésite. On va le construire ici. Bon, ça coûte 150 balles, mais avec un emprunt, ça pourra le faire. Profit maximum 189 000 simflouz, c'est pas mal. Bon, après, il faut le financer, les événements. Je crois qu'il faut financer les événements, ça coûte un peu cher. J'ai jamais construit de centre d'exposition, j'ai pas encore fait de ville touristique. Si vous voulez, c'est ma première. Fréquentation maximale 3000 personnes. Ça va. C'est plutôt pas mal. Donc c'est 150 000, mais si je fais un emprunt, ça pourrait le faire. Oh, c'est grand. C'est très grand. Je vais mettre une route autour. Enfin, là, je vais pas la construire, je vais visualiser un peu. Je vais construire une route autour, puis je vais mettre des commerces. Ok, à partir de la petite maison, à côté du stade de foot. Puis à côté du petit arbre qui est juste à côté. Ouais, ok. Hop. On va construire. Non, c'est ça que je veux. Voilà.
notre route. Est-ce que là ça passe? Culture, oui, c'est pas vraiment touriste, tourisme, mais bon, ça attire les touristes. Ah, bien. On va repousser un peu la route histoire de mettre des commerces juste à côté. La route, on va mettre ici, comme ça on va pouvoir mettre des touristes. Qu'est-ce que je dis? Des commerces juste à côté. Oula, 8 bâtiments abandonnés qui s'y posent. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Ça se dit plus, c'est comme expression. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà. 8 bâtiments abandonnés? Putain. Il y a un gros problème là. Il y a un très très gros problème. Criminalité. Putain. Criminalité. 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 Et criminalité. Fait chier. C'est pas que mon problème, cette criminalité. Enfin, c'est mon problème pour ma ville, mais c'est pas que de ma faute, quoi. C'est vachement chiant. Bon. Nos petits commerces sont en train de se construire. On va juste rajouter un peu de maison, juste là. Juste histoire de... Voilà. Non, j'en veux pas là, moi. Non, et non. J'en veux là et là. C'est tout. J'en veux pas là. Ah, c'est parce que j'ai un peu débordé. Toutes mes excuses. Voilà. On va rajouter ici. Côté de la gare. Ont plutôt bien marché, je pense, ceux-là. Qu'est-ce qu'il y a? Forte demande industrielle. Toujours. Dans ce cas, on va construire un deuxième centre industriel. Tac. On demande de l'industrie. Eh ben, on va en donner de l'industrie. Voilà, on va construire une petite zone frontalière avec que de l'industrie. Voilà. Et voilà le travail. Là, on va mettre des maisons et un petit peu de commerce aussi là. J'ai un petit peu débordé là. Voilà. Parce que faut toujours qu'il y ait des commerces à proximité des résidences. Parce qu'après, les gens sont un peu plus heureux. Dans le sens où il y a les boutiques juste à côté, donc c'est plus sympa. Ça sent la fumée. Ah, ça va brûler alors. Ah bah, c'est ton problème. Ah, un problème ici. Qu'y a-t-il? Notre décharge est à moitié payée, il nous faudrait temps d'ajouter une autre zone de déchets. En tout cas, il y a un malade dans l'équipe, hein. On peut le voir par le petit signe orange avec le petit gars qui... avec le petit smiley là, qui est pas content. Il y a un malade dans l'équipe là. J'espère qu'il va être rétabli. Bon. Une nouvelle zone de déchets. C'est pas très bon pour l'environnement ça, mais on... Si je peux me permettre, je me branle de l'environnement. Pour cette ville en tout cas, pour cette ville. Je m'en moque un peu. Des problèmes de déchets, les tuyaux qui débordent. Ah oui, je vous avais dit dans les premiers épisodes qu'au fil du temps ça allait finir par... que le sol allait finir par devenir noir. Et ben voilà, vous avez une parfaite illustration. Cette pollution au sol
ça pollue l'eau qui est en dessous, c'est juste dégueulasse. On va construire un nouveau tuyau en espérant que ça suffise. Apparemment ça a l'air de suffire. Bon, s'il faut, je débarrasserai mes eaux usées dans une autre ville. Bon, j'attends d'avoir les 50 000 Simflouz. Parce qu'avec les 50 000 Simflouz, je vais pouvoir faire un emprunt de 100 000 et comme ça pouvoir construire mon centre d'exposition. Ça se construit gentiment. Nous avons 23 833 habitants. Et nous avons de plus en plus de visiteurs. Et on va même rajouter une petite rue ici. Voilà. Hop. On dope le commerce. Nous serons une ville commerciale aussi. Là, il y a pas mal de marchandises qui sont expédiées. Hein. Ça veut dire que les industries marchent plutôt bien. Ça, c'est cool, ça. Nous allons même rajouter un petit hangar. Désolé pour l'usine qui est à côté, mais tu vas devoir péter. On rajoute peut-être des camions. Allez, on rajoute des camions. Voilà. Comme ça, nos industries vont encore mieux marcher. Je suis complètement balade. Ah non, c'est je suis complètement balade. J'ai la jambe cassée, appelez-moi une ambulance. Eh ben, elle est là ton ambulance. On met des patients à l'hôpital. Il y a un problème de santé publique. Non, ça marche bien. Bon, peut-être qu'au niveau des zones, en tout cas. Enfin, zone. Comment c'est déjà le mot? Je sais plus comment on appelle ça. Merde, quel con. De champ d'action. Voilà, pas vraiment une zone, mais champ d'action. Ouais, il y a des malades un peu partout. Enfin, c'est surtout dans l'industrie, mais ça c'est normal. Hein. C'est là où ça pollue le plus, donc forcément, tout ce qui est polluant, c'est pas bon. Forcément. Ce que je voulais dire dans champ d'action, c'était ici, comme vous pouvez le voir, tous les trucs en vert, c'est le champ d'action des ambulances. Voilà. Donc c'est que cette partie de cette ville, vous allez me dire. Sauf que, personnellement, j'en ai déjà vu arriver jusqu'ici, jusque-là, donc... Bon, une deuxième clinique, normalement, serait toujours mieux à faire, mais c'est pas indispensable. Oui, là, nous avons nos malades qui vont aller à la clinique se guérir. Au niveau des germes, donc là, nous avons notre pollution industrielle. Quoi de plus normal? Ah, nous avons un peu de pollution par ici. Tiens. C'est sans doute dû à la circulation, je dirais. Mais pas que. Et puis, ce ne sont que des hypothèses que je dis là. Pollution de l'air, ce sont les industries, ça je l'ai déjà dit. Pollution du sol, je vous ai montré tout ça tout à l'heure. Bon, quand même, dans l'ensemble, niveau santé, ça marche plutôt bien quand même. Criminalité, ben on est toujours dans la merde. Ça m'énerve. Ils font pas leur boulot ou quoi? Peut-être augmenter le nombre de cellules. Désolé, la maison. Tu es détruite. Voilà, c'est 70 cellules, donc à ce moment-là, je pense que ça a plutôt bien marché. Bon, je suis sûr qu'au fil du temps, ça va s'améliorer. Crise de voisinage. Oui, bah, je sais. Ce sont les autres villes qui viennent attirer leurs criminels dans notre ville. C'est pas de notre faute non plus. Hein. Donc un deuxième ferry serait donc peut-être une bonne idée pour attirer encore plus de touristes. Voilà, on a surtout des passagers résidents. Donc c'est les résidents dans la région. C'est ce que je vous disais tout à l'heure.
comme je vous l'ai dit, moi j'attends les 50 000 balles. 50 000 simflouis. Allez, on va faire une petite balade sur l'avenue. Oh. Problème. Les employés, banlieusards et touristes affluent dans la ville. Ils sont si nombreux que nous ne pouvons plus les transporter. Il nous faut plus de bus. Ne t'en va pas. Ouh. J'adore le bruitage. On a réussi la mission. J'ai rien fait. Ajouter un garage de bus municipaux. On va même en rajouter un peu plus que ça. On va même en rajouter deux. Bon, résultat, on a plus de sous, mais... C'est pas grave. Voilà, nouvelle mission réussie. Non, je vais la faire, notre petite balade. J'aime bien regarder la ville comme ça, c'est assez sympa. Avec les autres villes en arrière-plan, c'est... très sympa. On peut très bien voir les ferries, là. Ça marche plutôt bien. On peut voir le ferry qui est tout là-bas. On va zoomer au maximum. Voilà. C'est peut-être un petit peu flou, peut-être. Allez, on y va. Au cœur de l'action. Les commerces à côté. La gare à notre droite. C'est vachement bien foutu quand même. C'est super beau. Là, nous avons tous les passagers là. Qui viennent de la gare. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser, il va falloir que je rajoute des arrêts de bus, je crois. Eh oui. Bon, on va faire ça juste après. Oula. La police en action. Bon, ça saccade un peu, mais c'est très sympa. Oula, il y a eu des échanges de tirs. Mais les criminels ont apparemment été arrêtés. Ce sont eux, je crois. Ouais, on mène un prisonnier dans une cellule. Pas de quartier ici. Hein. Quand vous êtes arrêté, vous êtes arrêté. La justice est implacable dans cette ville. Et il pleut. En entendant un peu la... Parce qu'on le remarque pas vraiment, mais si on recule un peu... Je sais pas, j'entends un bruit de pluie, donc... Logiquement, c'est qu'il pleut. Sauf que je ne vois absolument rien. Ah, si, 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 on les voit. Je suis bigleux, moi. Si, si, on les voit. On les voit un petit peu. C'est assez discret, quand même. Il se passe. On a de bons transports en commun. Mais il nous faut des attractions touristiques. J'y travaille, j'y travaille. J'y travaille, mon ami, j'y travaille. On peut installer des commerces ici? Bon, là, je pense pas, mais là, ça marche. Oui, qu'est-ce qu'il y a, monsieur le... IMCA. Industrie moyenne montante. Votre ville se développe rapidement. Faites que vos usines soient heureuses et les grandes usines s'agrandiront. Assurez que vous disposez au moins d'une route de densité moyenne. C'est le cas. C'est le cas.
D'ailleurs, il faudra qu'à l'avenir, j'augmente partout la densité de nos rues. Tiens, cette rue-là, elle a pas été... Elle est passée à côté de quelque chose, tiens. Hop là, superbe. Les bus, d'ailleurs. J'avais dit que je m'en occuperais. 105 minutes, eh ben, ouais, il faut vraiment construire un deuxième. Mais là, je veux absolument construire mon attraction touristique pour cette troisième session de ce Let's Play SimCity. On rajoute des arrêts de bus. Ouh, ouais, si. Parce qu'il y en a un deuxième à côté, mais juste. C'est quand même important. On va rajouter un là. Un ici aussi. Et puis un là, juste devant l'attraction. On va rajouter un arrêt de bus ici. Et sinon, pour... Ah, mais il y en a aussi. J'ai pas été totalement parfait. Et pour le reste, je pense que c'est bon. On est plutôt bon. Ramassage. Là, il n'y a pas de maison. Là, si, il y en a un petit peu là. Voilà. Tac. Et vous voyez, ça rend heureux les gens. À mon avis, ça ne doit pas rendre heureux les enfants, puisqu'ils vont à l'école. Nous voulons faire une fête de voisinage toute la nuit. Cette fête produira probablement beaucoup d'ordures, mais ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Alors, on peut la faire cette fête ou pas? Cette mission générera forcément des sortures. Au niveau de la santé publique, c'est pas très profitable. Mais au niveau de la récompense, c'est quand même 26 000 simflouz. Allez, on est prêt à relever des défis, bordel. Collecter 250 poubelles avant le temps parti. En 23 heures, il faut récolter plus de 250 poubelles. Oh, ça va le faire. Encore un problème avec la police. Vous savez, enfermer les criminels n'est pas la seule façon de combattre le crime. On ne peut pas se contenter de mettre les gens en prison et d'ignorer le problème. Il faut les faire eux avant qu'ils commettent leur crime. Nous pouvons commencer un programme de prévention du crime pour aider les Sims à les dissuader de commettre des crimes. Qu'en dites-vous? En gros, ils me demandent de construire des centres de prévention du crime. Ayez une approche proactive et envoyez vos officiers dans les écoles, les parcs et autres pour sensibiliser les enfants à la lutte contre le crime. Je ferai ça plus tard. Parce que comme je l'ai dit, ma priorité c'est d'abord le centre d'exposition. Mais c'est une bonne idée.